Alors nous recevons pour vous cet après-midi Monique Iboldo. Monique Iboldo est une femme de lettres et universitaire burkinabé. Alors, pourquoi ce choix, presque j'allais dire obsessionnel, de raconter le destin de la femme, de cette avec autant d'amour, avec autant d'acuité? Voilà. Pourquoi la femme? Je pense que la première raison évidente, c'est que j'en suis une. Et que, ayant grandi dans un pays comme le Burkina Faso, j'ai très tôt pris conscience de la différence de traitement qu'il y avait entre les filles et les garçons. Et je suis d'une famille où il y avait plus de garçons que de filles. Et parmi les filles, je suis l'aînée. Et très tôt, c'est vrai que j'ai souffert de cette différence de traitement. Vous y croyez, à l'amour qui réunit vraiment les êtres. Et ça, on l'a vu, même dans le mal de peau, on l'a vu entre Régis et Cathy aussi. Donc, vous ne manquez aucune occasion d'évoquer l'amour en dépit de tout ce chaos qui se joue au monde. Pour moi, il y a des simples règles de l'amour. Quand on est réfléchi, le sens de la vie, c'est quoi? À part l'amour. Et c'est dommage qu'on s'en rende pas compte. Parce que tout le reste là, franchement, moi je vois pas. Donc oui, pour moi, l'amour c'est très important. Que ce soit donc l'amour romantique entre un homme et une femme, l'amour entre les êtres, entre eux, quel que soit le sexe et tout. Je pense que c'est vraiment la valeur la plus importante, c'est celle qui en tout cas devait nous faire le lever le matin, courir, vivre. Parce que si on tout le reste à la fin, ça sert à rien. C'est quoi l'autre? Moi je ne sais pas. Oui? Et il y a une question que je me suis toujours posée et j'ose vous la poser ce soir. C'est qui empêche la femme de prendre sa place et qu'est-ce qui empêche la femme de prendre sa place? Bon, mais les femmes elles-mêmes pensent souvent qu'une femme ne peut pas. Ah ben, j'ai... Mais parce qu'on nous a mis ça en tête, c'est-à-dire quand on vous a conditionné. C'est un problème. C'est un problème. Il faut se libérer d'abord avant de penser qu'une autre femme peut. C'est ça le problème principal, l'éducation. L'éducation qui nous conditionne. Ou parfois le manque d'éducation. Quand on parle donc d'éducation dans le sens d'instruction, aller à l'école, apprendre les choses, apprendre le monde.